L'augmentation constante du trafic aérien entraînera dans les années à venir une surcharge du système de contrôle. En approche notamment, le trafic se caractérise par une densité importante, des trajectoires fortement évolutives et convergent vers un goulot d'étranglement, l'aéroport. À terme, cette évolution se traduira, pour les contrôleurs, par une saturation de la fréquence audio et par une moindre disponibilité pour optimiser la gestion du trafic. Actuellement, sans Datalink, le contrôleur dispose d'une représentation du trafic issue de la poursuite radar, complétée par des informations plan de vol. Ainsi, en approche, le contrôleur peut aujourd'hui accéder à diverses informations, telles que le niveau de vol, la tendance verticale, la vitesse sol, le type de l'avion, ainsi que les aéroports de départ et de destination. Des études sont en cours pour améliorer les systèmes portant en particulier sur les communications Datalink à des fins d'anticipation, de précision et d'enrichissement des informations fournies aux contrôleurs. Le projet Escapade, expérimentation en situation de contrôle, de l'affichage des paramètres avion descendant sur écran, initié début 1996 par le CENA, le STNA et le SCTA, vise notamment à proposer et évaluer une solution simple pour améliorer le service de contrôle. L'affichage des paramètres avion descendant sur l'écran radar du contrôleur. Les paramètres avion descendant, aussi appelés PAD, sont des informations élaborées à bord de l'avion, telles que le cap instantané ou la vitesse indiquée à bord, et transmise au sol. Ce concept Datalink se caractérise par le fait qu'il ne comporte qu'une transmission descendante des paramètres du bord vers le sol. Le projet Escapade est mené conjointement par le CENA, le STNA et Aéroports de Paris. Il s'intègre dans le programme européen PETAL 2, deuxième phase d'expérimentation préliminaire Eurocontrol de liaison de données AirSol. L'objet de PETAL 2 et de mettre en œuvre divers concepts de communication par Datalink. Le projet Escapade vise plusieurs objectifs. Il s'agit d'abord d'identifier une liste des paramètres avions utiles aux contrôleurs radar travaillant en zone d'approche, et de déterminer les modes d'accès et de présentation de ces paramètres sur les écrans radar. Une étude préalable, inspirée du travail des groupes Eurocontrol, Odiac et Mausis, a été menée avec les contrôleurs de Paris-Orly. D'établir une liste de PAD potentiellement utile au contrôle d'approche. Le cap instantané de l'avion et la vitesse indiquée à bord ont été jugés prioritaires et apparaissent sur la troisième ligne de l'étiquette radar tant que le contrôleur maintient l'appui sur une touche dédiée à cette fonction. Les autres paramètres, jugés moins prioritaires, sont accessibles par désignation du vol à la boule roulante. Ce sont la vitesse verticale, la vitesse minimum de l'avion en approche, le vent capté au niveau de l'avion, le niveau de vol sélecté par le pilote, la fréquence audio active et la fréquence de l'ILS sélectée.
Parmi ces informations, certaines ont un caractère exploratoire. Elles pourraient permettre d'anticiper et de gérer certaines situations, telles que les rattrapages sur l'axe ou d'éventuelles sélections de fréquences erronées. Le paramètre niveau de vol sélecté sera utilisé dans l'étude pour déclencher une alerte en cas d'incompatibilité avec la structure de l'espace aérien concerné. Le deuxième objectif porte sur l'évaluation de l'impact de l'utilisation des PAD sur l'activité de contrôle et des effets induits sur le trafic. L'étude porte sur les aspects suivants. La stratégie de contrôle mise en œuvre par les contrôleurs, la charge radio, la fluidité du trafic. Le troisième objectif consiste à montrer la faisabilité technique du concept à l'aide d'avions équipés. L'équipement embarqué à bord d'avions de quelques compagnies aériennes, associé à une infrastructure expérimentale au sol, déjà existante, permettra de recueillir les PAD en grandeur réelle et de les afficher sur une position de contrôle en mode miroir. Le quatrième objectif vise à sensibiliser les contrôleurs et les pilotes à ce concept. L'affichage des PAD pour le contrôleur ne requiert pas d'action de la part du pilote. Toutefois, l'utilisation des PAD peut avoir un effet sur le comportement des vols. Réduction des attentes, optimisation des trajectoires. De plus, l'affichage des PAD constitue un système nouveau au sujet duquel il importe de sensibiliser et d'impliquer au plus tôt les opérationnels au sol et à bord. Les deux premiers objectifs mettent en œuvre un volet simulation permettant de jouer divers scénarios de trafic. Les deux derniers objectifs passent par l'équipement d'avions évoluant dans l'espace de Paris-Orly, constituant le volet trafic réel de l'expérimentation. Le moyen de communication utilisé dans le volet trafic réel et émulé dans le volet simulation est le mode S. Amélioration du radar classique normalisé par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Son utilisation pour la transmission de paramètres bord fait déjà l'objet d'une circulaire aéronautique Eurocontrol, préalable à une installation obligatoire à bord des avions à partir de 2001. Les paramètres avions descendants seront transmis grâce à un équipement bord constitué d'un transpondeur niveau 2 collectant les informations sur les bus avioniques et les transmettant vers le sol. Des stations radar mode S au sol reçoivent les informations et les acheminent vers la salle de contrôle. La station mode S de Paris-Orly sera utilisée pour le volet trafic réel de l'expérimentation. Les compagnies participant à ce volet sont Air France et Air Liberté. Les informations radar sont visualisées sur une position de contrôle au sol, IRMA. Les positions IRMA sont constituées d'un écran couleur affichant des plots radar, d'un écran tactile destiné au contrôle de l'affichage et d'une boule roulante servant à désigner les pistes radar sur l'écran. Les positions de contrôle IRMA présentent une grande souplesse de configuration. Elles sont actuellement en service dans plusieurs grandes approches françaises, dont Orly.
L'objectif d'évaluation de l'affichage des paramètres avion descendant passe par le volet simulation. On génère un trafic virtuel permettant d'expérimenter plusieurs scénarios différents par la charge de trafic, les conditions météorologiques ou encore le taux d'avion équipé de la fonctionnalité de transmission des PAD. La plateforme de simulation Escapade a été développée par le CENA en vue de jouer ces scénarios. Son but est de reproduire aussi fidèlement que possible les conditions de contrôle en approche afin d'évaluer l'effet de l'utilisation des PAD. Le simulateur Escapade utilise le générateur de trafic masse. Ce générateur alimente des modules chargés de construire les données telles qu'elles seraient produites par le système opérationnel. Cela inclut la simulation du système de traitement radar, la simulation de la liaison de données MODES et l'impression des strips. En outre, un module est chargé d'élaborer les alarmes spécifiées dans Escapade. L'ensemble de ces informations est envoyé sur le réseau local du CENA vers les visu IRMA. Les positions de contrôle reproduites dans le simulateur sont les positions d'approche initiale et intermédiaire. Le contrôleur initial reçoit les vols en entrée du secteur de contrôle, le contrôleur intermédiaire les guide jusqu'à l'interception de l'axe de piste. Un travail important a été fait sur le comportement des avions en approche, sur la reproduction des conditions météo et de l'environnement de travail des contrôleurs. Ceci a nécessité la participation active de Météo France et des contrôleurs de l'aéroport d'Orly. Reçu, on poursuit comme autorisé à Maroc. Le simulateur requiert l'intervention de pilotes éco-radar pour gérer le trafic virtuel issu du générateur de trafic MAS. Les pilotes éco-radar appliquent les instructions données par les contrôleurs tout en suivant des consignes, aussi appelées scripts. L'objectif des scripts est de tester l'utilisation des PAD dans certaines situations, telles que les applications tardives de clairance, les remises de gaz, les erreurs de sélection de fréquence ILS, ou encore les changements inopinés de vitesse, de cap ou d'altitude. Après une phase de pré-expérimentation échelonnée de décembre 1997 à mars 1998, les expérimentations se sont déroulées en avril 1998 dans les locaux de CENA. Elles ont mobilisé 13 contrôleurs et se sont déroulées sur 18 demi-journées. Dans chaque session, un binôme de contrôleurs devait gérer un échantillon de trafic. Chaque échantillon se caractérisait par la présence ou l'absence de PAD, ainsi que par une charge de trafic variable et des conditions météorologiques particulières. Les enregistrements audio, vidéo et informatiques des actions de contrôle, des trajectoires avions et des communications ont servi de support aux séances de débriefing. À partir des données recueillies au cours des expérimentations et des phases de rejeu, nous avons effectué un certain nombre d'analyses à la fois quantitatives et qualitatives. Ces analyses permettront d'évaluer les effets de l'utilisation des PAD sur l'activité de contrôle, par exemple en termes de durée et de contenu des communications radio, des stratégies de gestion du trafic, et également en termes de modalités de manipulation et de présentation des PAD. Les résultats de ces analyses et interprétations seront disponibles début 1999. Ils seront notamment fournis à l'organisme européen Eurocontrol dans le cadre de la participation à Pétale 2. L'expérimentation Escapade a d'ores et déjà permis d'obtenir des éléments prometteurs sur l'intérêt de la visualisation des PAD en approche. Les travaux à mener à court terme sur le concept d'acquisition des données bord comprendront la définition d'autres outils évolués pour le contrôle aérien et prendront plus précisément en compte les aspects avioniques à travers l'implication des équipements et des compagnies aériennes.